Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, on va faire le marathon de Paris. Et oui, je le fais tous les ans, ça c'est cool, j'ai gagné un dossard avec Campus Coach encore une fois, donc trop de la chance. Et puis là je suis grave en avance, en fait j'ai une heure d'avance, voilà. Et on va essayer de battre mon RP de 3h43, donc faire moins de 3h43 ce serait cool. J'ai fait une bonne prépa, donc à voir. Allez, on se dirige sur la ligne du départ. Avec l'équipe Run for Joy, Fred Testo et Marie Leleu, on va ensemble taper deux fois et vous tapez une fois. Je suis Paris, fan. C'est à vous. Fred, Marie, Fred, Marie, on va bien montrer ensemble Salah. De parcours, il y a un tout petit changement, nous n'irons pas sur les quais de Seine parce que tout est inondé, donc on restera au-dessus, au niveau de la route, voilà. Peut-être qu'il y aura moins de D+, du coup, je ne sais pas, on verra ça à la fin. D'allure des 3,45 qui sont devant. La néonc, ça speed. Hein. Ils vont beaucoup trop vite. Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Je sais pas si c'est stratégique, mais. T'es sûr que le voilà, ils vont trop vite. Enfin, bah, pile quand j'arrive, ça s'arrête. Ah. 4 km. Pour l'instant tout va bien. Par contre j'ai une grosse envie de pisser, donc je vais devoir m'arrêter à un moment donné, voilà. Mais sinon tout va bien. A few moments later. Bon, kilomètre 5, forcément j'ai ralenti puisque je suis allée aux toilettes, donc j'ai perdu un peu de temps. J'ai essayé de le faire au plus vite, voilà, voilà. Maintenant on reprend. La mairie de Paris sous les couleurs des JO 2024. Bientôt kilomètre 6. Au kilomètre 6, il y a Steve, l'ambianceur. On va revoir au kilomètre 25 aussi. Septième kilomètre. Je cherche Steve qui doit être quelque part. Je sais pas où. Steve. Voilà. Ça y est, je l'ai vu. Parfait. Allez, bientôt 10e kilomètre. Allez Jules. Il y a de l'ambiance sur ce marathon. Je tiens mon allure. Tout va bien. Là, ça descend. C'est cool parce que on était dans une montée, un faux plat. C'était un peu chaud. Et là, on récupère. Allez, 13e kilomètre. On était, je crois, dans le bois de Vincennes.
si je dis pas de bêtises. Il y a très peu de supporters. Et là, on va retourner dans le centre-ville hein, avec l'ambiance et tout. Le château de Vincennes, je crois que c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je cours le marathon de Paris, je connais toujours pas les noms des monuments, tout ça. Mais ça va venir. Peut-être que dans 10 ans, je vais tout connaître du marathon de Paris. Mais pas avant. Ah non, je crois que c'est là en fait qu'on rentre dans le bois de Vincennes. Je sais plus. Enfin bref, on n'est pas très loin quoi. Et je crois qu'on y rentre là. Tout à l'heure on n'y était pas. Ah je sais plus. Ouais bref. Là on en profite parce que y a une belle descente. Let's go quoi. Okay, let's go. Allez, 21e kilomètre. La moitié s'est passée vite. La deuxième partie va être plus longue et plus dure. J'ai un début de point de côté. Du coup, je vais ranger à Cam et je vous retrouve plus loin, au 25e, par là. On se tape la montée. 22e kilomètre. Bon, il est où Steve? Papa, dommage. Tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu pour me motiver à finir. Cette course, ce marathon, et d'activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos, c'est gratuit. Ça saigne dans les chaussures. Bon, les gens, la tour Eiffel, on se rapproche petit à petit. Nous sommes au 27e kilomètre, on s'accroche. Il reste 15. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui sont derrière nous. Je crois même qu'ils sont genre au 5e kill, un truc comme ça. Je me disais aussi l'année dernière on les croisait pas comme ça. Mais c'est parce que en fait nous on est censé être en bas là, à courir sur les quais de Seine là. Et vu que c'est inondé, je vais vous montrer vite fait. Je crois que c'est complètement inondé. Ouais voilà quoi. On est censé courir là, tu vois. Donc forcément, on se retrouve sur la route. Alors peut-être, j'espère qu'il y aura moins de déplus. C'est un peu un tunnel quand même. Les jambes. Allez, 30e kilomètre. C'est bientôt la fin. Reste 12 kilomètres à tenir. Et là, on se tape les tunnels, donc il y a pas mal de déplus. Il y a Dorian. Oh!
Ouais, courage. Salut. Ouais, salut. Ouais, je croyais qu'il allait mettre de l'ambiance, pas du tout. Comment je lui ai crié dessus, telle une grosse fan. C'est pas grave. La tour Eiffel. Il n'y a pas de place, c'est rien. Faut pas courir tranquille. Enfin, je sais pas si on la voit très bien. Mais il y a la tour Eiffel là. Par contre, c'est quoi ce bordel là? C'est hyper étroit, on peut même pas doubler, on peut rien faire. C'était pas comme ça avant. Voilà. Ah, c'est compliqué. Il y a trop de monde. Allez, petit coup de fouet. Wow. Allez, ça va me réveiller là. Et là, j'ai besoin de me réveiller pour continuer à courir. On est au 33e kilomètre, il reste 9 kilomètres, ça commence à être dur. 40e kilomètre, ça commence à être dur. Psychologiquement, hein, parce que c'est comme ça sur tous les marathons quand je me force, c'est toujours la même chose quoi. Les joies du marathon, je sais, mais c'est cool. Je viens de me taper un RP, oh, c'est cool, j'en peux plus là. Je suis au bout de ma life, la fin était horrible. Oh la vache, oh là là. 2 hours later. Je récupère ma médaille, mais là pour l'instant je vais faire une sieste. Le calme avant la tempête. Pour l'instant je me sens bien, mais j'ai très peur que tu vois, que ça vienne là, que ça arrive. Le petit coup de mou peut venir très vite, donc pour l'instant ça va, tout va bien. One eternity later. Bonjour. Merci. Bon courage.
font ça bien. Et voilà la médaille. Voilà, voilà. Je suis au bout de ma vie. Donc j'ai rien à dire. Non, en vrai, ça va, j'aime bien. 3,42. Ah, oui, ben voilà. Le marathon de Paris, c'est terminé. Et on se retrouve, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!